Hey! Bienvenue tout le monde. Exercice numéro 6. Saucisse. Eh oui, en ce lundi 19 avril, techniquement, le printemps est déjà là. Le barbecue aussi. Et si un maître charcutier volailler pouvait m'entendre, je serais volontiers client s'il pouvait me faire des saucisses garnies de volaille marinée au paprika. Parce que je trouve du poulet mariné paprika, mais pas de saucisses. Et c'est quand même bizarre, ça. Faites passer le mot, je vous en serai reconnaissant. Alors, en guise, justement, de buffet, de banquet, d'avoir de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Pour le coup, donc, deux pièces pour le prix d'un exercice. C'est généreux, hein. Bon, une fois encore, c'est de la balade, c'est assez simple. C'est vraiment histoire que vous soyez habitué à utiliser toutes ces formes ici, là-dedans, et les fonctions ici. Enfin, l'ensemble des outils de l'atelier part, en fait. Alors, nous avons la vue en perspective, ici, vue de face, vue de dessus, vue de droite, vue de derrière, vue de dessous, et vue de gauche. Donc vous voyez, rien de sorcier, que des choses qui coulent toutes seules. Astuce, tout ce que je vous ai appris à faire dans mes tutoriels de début d'année vous seront amplement suffisants pour savoir faire tout ça. Alors, moi d'ici là, je vous dis au prochain et dernier exercice. Merci d'être toujours aussi nombreux. Continuez à partager, commenter, liker, inciter à s'abonner à ma chaîne, donc à mon travail. D'ici là, je vous dis à l'ultime dernier exercice, autrement à la correction. Et en attendant, profitez à fond de votre logiciel. Portez-vous bien. À la prochaine.